C'est bon, je suis pas en retard. Normalement, là, tout va bien. Je ne m'entends pas en double. Et vous m'entendez pas en double. Normalement. Suis pas en retard, hein. J'ai lancé le stream au bon moment. Ça fait 2 minutes que c'est lancé. Il est 21h02. Hein. Je vais attendre un peu, voir s'il y a des gens, enfin s'il y a du monde qui est là, connoté dans le chat là, que je vois qui est là. Parce qu'après j'ai du retard, moi il y a toujours écrit 0 personne. Ah attends, je peux faire actualiser peut-être. Ah ouais, non, ça enlève juste les messages, je suis trop bête. Voilà, j'essaie de le mettre sur mon tel. Hop. Hop. Je laisse le son en fond. C'est mieux, je trouve. Parce que ça. Ok. En plus, ce soir, on a trois trucs de prévu. Normalement, ce soir-là, il manque un follow. Ah, bah voilà. Et voilà. Et voilà, j'allais en parler. On attendait juste un follow pour atteindre les 50. Et voilà, le premier goal, il est fait. Et il se met pas à jour. Oh là là. Il se met pas à jour. Attends, tu sais quoi? On va le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. 50, hop. 50, hop. 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 Je sais pas pourquoi ça se met pas à jour tout seul ou quelque chose comme ça. Vas-y, là. Barre 100% remplie. Oh non, c'est raidant en plus. Ça fait longtemps que tu m'as pas follow. Enfin, pourquoi tu m'as pas follow depuis? C'est bizarre. Vas-y, bah vas-y, on va voir ce qu'on va faire ce soir. Hein, parce qu'on a pas mal de trucs. Hein, la vérité. Vous dire. En plus, faut que je le mette correctement. Parce que sinon, j'ai pas le retour du chat. Déjà, on va beaucoup plus interagir que la dernière fois. Parce que la dernière fois, j'interagissais beaucoup moins que ce que je devrais là. Parce que sur Twitch, mon gars, on est censé truc. Alors, je vais vous montrer déjà les nouveautés que j'ai, tout ce que j'ai changé sur ça s'écrit pas comme ça. Non, mais il n'y a pas d'espace sur le stream. Attendez, je vais vous montrer ce qu'il y a. Comme ça, vous verrez directement. Hop. Mince. Y a pas de retour. Et je vais changer. Normalement là vous. Ah ouais, on me voit. Donc c'est un peu nul, on change. Et voilà. Et là j'ai tout mis. Et là ça se met pas. Voilà. J'ai loupé. Il y a toujours un truc qui va pas. Là j'ai mis tout en fait. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Insta, YouTube. Et vous avez juste à cliquer dessus en fait. Si vous cliquez dessus, ça vous emmène directement sur le truc. Ah bah attends, vous voyez pas derrière ma tête, mais là il y a Instagram là, genre. Là c'est pour les dons, Twitter, parce que la dernière fois il y a des gens qui ont demandé des dons. Et voilà la page. La page, plutôt simple. C'est cool. Vous pouvez laisser un message, normalement après ça met un pop-up avec un message. Voilà. Ici. Et j'espère que ça le fait aussi sur le truc, parce que normalement il y a. C'est censé arriver là, genre, le pop-up, mais la dernière fois c'est pas arrivé, genre. Vis-à-vis des follow, mais même. Ah non, là on l'a pas pu le voir, on l'a vu tout à l'heure sur l'autre scène. Bref, voilà, déjà il y a ça. Et aussi, sur la chaîne, si vous allez voir vous-même, vous pouvez aller.
Ah ouais, mais attends, est-ce que je peux aller ouais, sur ma chaîne directement et vous avez le programme. Attends, pourquoi il y avait écrit quoi là? Ah mais ça c'est comment ça diffusion récente, on se parle. Là là. Vous avez le planning. Star au Maroc. Ouais, bah oui, je suis super connu. Ouais. Je suis l'homme le plus connu du Maroc. Bientôt. Et là, vous avez le planning. Enfin, si vous allez regarder dans le programme, tu vois. Si vous allez regarder dans le programme, il y a les plannings, à quelle heure je lance, et vous avez le temps qui est censé durer. Genre là, je crois que j'ai mis 23 heures juste pour comme ça. Mais ça va durer moins, hein, beaucoup moins. Purée, en plus, je sais pas si on voit, si la lumière elle est bien sur la cam. Et là, vous avez le live qu'on va faire dimanche. Voilà, en gros programme. Et je crois que c'est tout ce que j'avais de faire, que j'ai fait nouveau là. Ouais, c'est tout. Fermer ça, fermer ça. On va le mettre de l'autre côté. Voilà. Ici, si j'ai besoin. Non, pas en Algérie malheureusement. Pas envie d'être star en Algérie. Ah ouais, tu vas chercher un billet de retard à la vie scolaire, s'il te plaît. Le billet de retard, il est dans. Il est. Tu veux que je te montre où il est le billet de retard? Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer 2 secondes. Tu vas sur Twitch, tu vas sur ma chaîne, et le billet de retard, il est là. Là, t'as un billet de retard. Après, est-ce que je... Après, ça va dépendre du billet de retard, tu vois. Est-ce que je t'accepte en cours ou pas? Bref, est-ce qu'on y va? Ah non, mais là vous voyez tout là. Ah non, vous voyez tout là. C'est bon, j'enlève. Hop là. Attends, attends. On va juste mettre ça là. C'est bon. Vous êtes des fous, vous? Vous voyez déjà tout ce qu'on va faire maintenant? Sais pas, il y a combien de secondes de délai? Ah. Ouais, ça fait 10 minutes que j'ai lancé. Vas-y, on va y aller. On va lancer, hein, parce que sinon on va y passer toute la soirée là. Vas-y, aujourd'hui, ce qu'on va faire. En plus, il y en a pas mal qui connaissent Beaugency. Du coup, on va parler de Beaugency. Forcément, on va revenir sur le live qu'on a fait. Il y en avait deux qui étaient là, je crois. Il y avait André, enfin, il y avait Moustuflex, Rexy et Jésus qui étaient là la dernière fois. Donc, du coup, si vous avez tout vu, normalement. Enfin, pas tout vu, je sais que vous avez pas tout vu. Tu vois. Et maintenant, je peux mettre le diapo. Hop, hop. Laissez-moi 2 secondes, je vous le mets correctement. Sinon c'est pas marrant. Je le fasse correctement. Hop. Hop. Et voilà. Ouais, Beaugency City Gang, il y en a plein qui connaissent. Et il y a plein de trucs qui vont être intéressants là-dessus. On va voir ça ensemble. Vas-y, vas-y. Hop là. Et voilà, comme d'hab, je vous ai mis le fameux diapo. Parce qu'on s'en lasse pas. Enfin, du moins, moi je m'en lasse pas. Ouais, André, toi, je sais que t'étais là tout le temps, donc c'est bon, au calme. Alors, on va commencer par l'histoire, mais bon, il y en a deux qui étaient là quand j'avais raconté l'histoire, mais du coup, on va la re-raconter. Elle est marrante, et là, je vais vous la lire parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je vais vous la lire, vous allez voir. Déjà, on va. Eh, ça, c'est un bon titre, ça. Ça, c'est un bon titre. De ville médiévale à ville moderne. Mais non, parce que, en fait, Macron, il devait parler ce soir, donc je voulais live. Je voulais live son discours, mais il fait ça samedi du coup. C'est pas ce soir, c'est samedi. Et du coup là, je vous ai mis un giga titre. Hello Younes, je vous ai mis un titre là, stylé. Donc retenez bien. Et on va faire un retour sur le premier live pour commencer. Retour sur le live. Je camembière. Je sais pas qui c'est. C'est quelqu'un du. Ça doit être quelqu'un de l'équipe. Ensuite, on va faire un développement sur une partie. Ah. Et aujourd'hui, on va faire des trucs interactifs. Moi, je vous le dis, là lundi, j'ai beaucoup parlé. Je vous ai pas laissé parler. Mais là, on va faire des trucs. Ça va être mieux. Ah, ok, c'est Vlad, ça va? Et prévu du deuxième live. À la fin, on va faire un truc pour le live de dimanche, forcément. Et si vous avez des questions. En plus, j'ai du matos. J'ai du matos. Là. Regardez. Et merci pour le follow. Et oui, la notif qui s'affiche. Là, on est sur du Kali là ce soir. On est sur du Kali, d'accord? Je vous parle beaucoup plus que la dernière fois. Et j'ai du matos. Là, je vais arriver en ville avec ça. Je vais mettre mon téléphone. Et
Ça va stabiliser le téléphone. C'est fini les mouvements de. Je tiens mon téléphone comme ça avec mon doigt et j'ai froid. Ça là. Il y a ça. Attendez. J'ai pas que ça. Hein. J'ai investi. Hein. Eh, j'ai un micro-cravate. Là, là. Je sais pas si vous voyez bien. Attends, de ce côté-là, si je mets bien. Et ouais, un micro-cravate. Là. Moi, je vous dis, hein, on est sur de la Cali. Pour que ça marche bien, là. Micro-cravate, stabilisateur. Il y a d'autres trucs qui arrivent. Hein. Il y a d'autres trucs. Ça, c'est ce que j'ai reçu, là. Mais voilà. Bon, bah, du coup, let's go. On est en train de regarder ce qu'on allait faire aujourd'hui. Je pense que ça devrait durer 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie au grand max si je parle trop ou si vous parlez trop. Si vous voulez que ça dure, vous parlez trop. Vous parlez. Puis voilà. Du coup, on en était à où là? Alors, je vous ai dit, voilà, trois grands points. Et dans ces grands points, attention, voilà. Retour sur le premier live, l'histoire de Beaugency. Parce que forcément, quand on va présenter une ville, on va parler d'histoire. Et on va parler de son histoire. L'histoire de cette ville-là, en particulier. Forcément. Et ensuite, on va parler du centre-ville. Tout ce qu'on a vu dans le centre-ville dimanche d'il y a 2 semaines. Hein, parce qu'il y avait des trucs intéressants. Ça va être le retour sur le premier live. Et ensuite, développement d'une partie. On va regarder les voies de communication. Parce qu'on va aller voir sur la carte en fait. Je vais vous mettre une carte. J'ai préparé des trucs là. Et on va mieux visualiser, genre. Ce sera beaucoup mieux. Et ensuite, on va regarder le preview du deuxième live. Son évolution. Et là où on va aller se déplacer en fait. On va regarder sur une carte encore. Parce que là, on va utiliser beaucoup de cartes. Parce que je peux pas le faire en IRL. À moins que je les imprime. Mais c'est moche quand je les imprime. Et je vais vous montrer où est-ce qu'on va aller. Ce qu'on va voir. Et pourquoi en fait? À quoi ça sert? Parce que si je vous dis pas, ça sert à rien. Bref, let's go, hein. Alors, ah là là. Il y en a qui connaissent déjà cette histoire. Que ceux qui connaissent cette histoire lèvent la main, que je vois, parce que je crois que je l'ai raconté tellement de fois que je sais pas combien il y a de gens qui la connaissent. Je sais qu'André la connaît, Benjamin la connaît. Axel, je suis sûr que tu la connais même pas en plus. Mais bon, il y a des petits hints là. Non, mais après, Vlad, toi, c'est normal, tu t'habites pas dans le coin, mais. T'inquiète pas, je vais vous la raconter, elle est marrante. Alors. L'histoire du pont de Beaugency. Ouais, bah ouais, Benjamin, t'étais là la dernière fois. C'est le pont du diablotin, ouais. Le pont du diable. Alors, attends. Je vais vous la lire. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, mais je vous la lis quand même. Je la mets en face. Ah bah non, sinon vous allez tout voir. Vas-y, vas-y, hé. Hey. Ma tête. Puisque je vous raconte une histoire. Hop. Et j'enlève le son derrière. C'est bon là. Petite ambiance. Hop. Comme ça, je me mets face à vous. Alors. Voici la légende du pont de Beaugency. Il y a très longtemps de cela, les gens de Beaugency, quand ils voulaient franchir la Loire, devaient prendre une barque, car il n'y avait pas de pont. Et ils n'avaient pas les moyens d'en bâtir un eux-mêmes, ni de payer quelqu'un d'autre pour le faire. Alors comment faire? Le diable, toujours à l'affût, entendit parler de cette affaire. Il s'habilla et vint rendre visite au maire de Beaugency. Ce maire aimait bien s'habiller lui aussi. Il portait une robe écarlate et avait toujours une grande chaîne en or autour du cou. Même en dormant, il ne la quittait pas. Le diable expliqua au maire qu'il avait entendu parler de son affaire et déclara que lui était capable de bâtir un pont pour les habitants de Beaugency de telle sorte qu'il pourrait le franchir autant de fois qu'il le plairait. Il dit encore qu'il lui suffirait d'une seule nuit pour la construire. Le maire lui demanda alors combien il voulait pour construire ce pont-là, et le diable répondit. Pas un sou. Tout ce que je demande, c'est que la première personne qui passe le pont m'appartienne. Le maire dit d'accord. La nuit tomba, tous les gens de Beaugency allèrent se coucher et s'endormir. Le matin arriva. Ils sortirent et s'écrièrent. Quel pont magnifique! En effet, ils avaient sous les yeux un beau, un solide pont de pierre qui enjambait le large fleuve. Alors quand il y eut une sonnerie de trompette, le maire apparut dans son bel habit et toujours sa chaîne en or. Il avait un seau à la main et sous le bras, il tenait un chat. Quand il le vit, à l'autre bout du pont,
Le diable s'arrêta de danser et ajusta sa longue vue pour regarder le pont. Les gens se parlaient tout bas, essayant de deviner les intentions de leur premier magistrat. Quand le maire arriva à l'entrée du pont, les hommes retinrent leur souffle et les femmes leur langue. Le maire posa alors le chat par terre sur le pont et, le temps de dire ouf, il jeta son seau d'eau sur lui. Le chat, effarouché, ne demanda pas son reste. Il traversa le pont à toute allure et vint se jeter dans les bras du diable. Celui-ci piqua alors une vraie colère, il entra dans une telle rage qu'il donna un coup de pied à l'une des arches du pont qui depuis reste décalée. Retenez bien cette information. L'arche du pont qui reste décalée. Messieurs les Balgenciens, habitants de Beaugency, hurla-t-il de l'autre côté, vous n'êtes pas de belles gens, vous n'êtes que des chats. Et voilà pourquoi depuis cette époque on appelle les habitants de Beaugency les chats de Beaugency. Et en fait, donc c'est une note en dessous, plus sérieusement on pense que le chat est une contraction du mot châtaigne. Parce qu'il y avait beaucoup de châtaignes à Beaugency. Voilà. Et alors, dans cette histoire, il y a un truc intéressant. C'est que du coup, il s'est accaparé. Je vous remets le diapo. Bim, bim. Merci Kaku pour le follow. Et du coup, bah, il y a deux trucs. Il y a un truc intéressant. Bah, déjà le diable, le chat. Et la dernière fois. Je vais vous montrer parce que je l'ai pas mis du coup sur le diapo. Voilà, j'ai pas tout fait correctement, malheureusement. Voilà. Hop. Si vous regardez bien. Alors attends, je vais vous mettre encore ma tête à chaque fois. Si je regarde bien, là vous regardez Beaugency avec un chat dessus. Hop. Donc on voit bien que c'est une histoire qui est importante pour Beaugency. Merde. Hop là, pardon. Et ensuite, on va regarder. Ce logo. Hop là. Ça, c'est le logo du club de foot de Beaugency. Et on voit bien que. Voilà, le chat, encore, toujours. Et la fourche du diable. On voit bien que c'est vraiment une histoire ancrée dans le truc de Beaugency. Et ensuite, on va regarder ça. L'arche décalée. Hop là. J'accepte. Et normalement, si vous voyez bien sur le live correctement, on voit bien, là on est sur le pont. Hop. Le pont. Ah, attendez. On va venir de la rive sud de Beaugency. Voilà. Et si on avance. Hop là. On voit bien ici. J'avance un tout petit peu encore. Là, c'est décalé et là aussi. Et en fait, c'est marrant que ça fasse partie aussi de la légende en fait. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est décalé ici et comment ça se fait que en fait, c'est pas du tout pareil. Si on regarde bien là, regardez les pierres ici et les pierres ici, c'est pas du tout pareil. Mais vas-y, on va regarder ça ensemble. Hop. On va pas regarder parce qu'en fait, c'est moi qui ai l'histoire et je vais pas vous la raconter parce que c'est bon, j'en ai raconté une. Après Mathieu c'était trop fort, c'est pas ma faute tu vois, c'est ça le problème. C'est que... Ouais, non mais je vais raconter la vraie histoire. Donc en fait ça c'est vraiment la légende de Beaugency qui a fait que le pont est hyper connu. Et déjà il faut savoir qu'à Beaugency, entre Orléans et Blois à l'époque, il n'y avait pas de pont sauf celui de Beaugency, depuis qu'il a été construit. Donc la vraie histoire, la vraie raison de pourquoi c'est décalé, c'est en fait parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait je vous lis, hein, parce que j'ai pris des notes. Il y avait des divisions allemandes qui étaient stationnées au sud de la Loire, donc au sud de Beaugency, et qui essayent de remonter vers le nord, donc ils doivent traverser la Loire. Et donc les seuls moyens, c'est de passer par les ponts, donc Beaugency, Blois et Orléans. Et donc les Alliés, les Américains, ils ont bombardé le pont, et ils ont détruit une partie du pont. Mais pas entièrement, ils l'ont juste fragilisé. Et ensuite, du coup, à ce moment-là, il y a les Allemands qui remontent et qui font des morts sur la rive sud, mais les agriculteurs se disent on l'a pas suffisamment endommagé. Et ce qu'ils vont faire, c'est que en fait les agriculteurs ils vont finir le travail des Américains en le bombardant avec des explosifs agricoles. Et c'est pour ça qu'on voit en fait cette arche décalée. Et en fait c'est pas vraiment un décalage, c'est juste que le pont a été détruit et ils l'ont rénové en fait. Voilà. C'est juste ça l'histoire. Mais on en avait parlé déjà dans le live il y a 2 semaines. Mais là, je vous ai donné tous les détails du coup. Voilà. Intéressant.
Intéressant. Ensuite, je pense qu'on a tout vu là, vis-à-vis de ça. Et du coup, juste une question, s'il y en a qui savent, à votre avis, elle date de quand la ville de Bollancy? Est-ce que... D'ailleurs, Irfan, pourquoi t'as dit que le son il cassait la tête? Est-ce que je le remets ou pas? Si vous voulez, je remets le son. Hein. En plus, je sais pas, il y a combien de secondes de décalage, parce que s'il y a 30 minutes... Si je remets la musique derrière en fond, est-ce que c'est mieux? Parce que là, ça fait des moments de vide. Hein. Non, moi je vous demande. Sinon, c'est pas grave. Sinon, je le remets là. Et si vous voulez que je l'enlève, vous me dites d'enlever. Parce que moi, je trouve que c'est mieux. Ou sinon, je le descends juste un peu, je le baisse un peu. Mais faut me répondre aussi. Parce que Irfan, tu dis c'est chiant, mais si tu me réponds pas, si t'as mis ou pas. Ah ouais, c'était peut-être un peu fort en fait par rapport à ma voix, je regarde. Parce que moi je m'entends pas, j'entends pas le retour. J'ai plus le retour là-dedans, j'ai plus le retour. Coup, en fait, Beaugency. Alors, on va parler de quand est-ce que c'est apparu. En fait, c'est apparu pas la ville en soi, mais l'histoire de Beaugency, genre ça commence au haut de l'U. Il y a. Ok, bah je laisse la musique alors. Je la monte encore un peu, parce que moi je l'entends pas. En fait, ça commence au haut de l'U, à l'époque de la préhistoire. Il y a une butte qui s'appelle les Hauts de l'U, et c'est là où, à la préhistoire, les habitants se posaient en fait. C'était des chasseurs-cueilleurs, mais on va pas rentrer dans le détail là-dedans, parce que sinon on irait trop loin. Ensuite, pendant l'Antiquité, il y avait des traces de Gaulois qui avaient. Graver des termes qui se rapprochent du terme de Beaugency. Voilà. Non, on le monte pas? Bah, je le rebaisse. Ok. Ok, parce que moi j'ai pas le retour. Ok. Ah, peut-être que moi je devrais augmenter mon son à moi-même. En fait. Ouais, c'est bon. Et du coup, après, il y a eu pendant l'Antiquité, il y a eu. Bah, du coup, on a parlé de traces de Gaulois qui ont fait ça. Et ensuite, au Moyen-Âge, c'est là où on a vu les traces du Moyen-Âge, si André se souvient normalement. Et Benjamin, je sais pas qui était là le week-end. Mais on avait vu des remparts. On avait vu beaucoup de remparts. On avait vu, du coup, le château de Beaugency qui s'était fondé. On avait vu la tour César. On avait vu l'abbaye. On avait eu plein de monuments qui dataient du Moyen-Âge. Et c'est à ce moment-là où, en fait, on va regarder. Bah, au haut de l'U, en fait, bah tiens, je vais vous montrer sur la carte parce que je l'ai préparé aussi, forcément. Hop, hop là. On s'en fout des hôtels. Voilà, ça c'est la ville de Beaugency. Exactement là. Là on a Tavers. Là on a Beaugency. En fait, là voilà, elle est délimitée par ça là. Et la butte, elle était là, là. Les Hauts de l'U. Là il n'y a pas les. Voilà, avenue des Hauts de l'U. Ça c'est une colline en fait. Quand vous passez par là, bah, ceux qui passent par Beaugency, ils montent en fait. Il y a une montée genre. Et là c'est une butte en fait. Et on peut voir en plus, c'est foncé la ville. On voit bien, ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois on avait fait un chemin en fait. On était là et on a fait tout ça le chemin. À pied. On avait fait tout ça. On était monté par là et voilà. Et ça c'est l'ancienne ville. Et de ce qu'on avait parlé, on va regarder avec un truc intéressant. Je vais vous montrer sur. Ah mince, je l'ai plus. Attends. Je croyais l'avoir mis, mais je l'ai pas mis. Du coup, on va regarder. Je vais vous montrer sur le site qui est super cool, qui peut trop servir. C'est Géoportail, genre. Géoportail pour chercher des choses intéressantes, c'est le meilleur site. Si jamais vous voulez regarder des trucs par rapport à de la géographie, par rapport aux cartes ou autre chose, ça c'est trop intéressant. On va voir, on va enlever la photographie, on va hop, on va mettre la carte IGN, c'est celle qu'on utilise tous les jours. Celle-là, on va la supprimer. Hop, et voilà. Et on voit bien, genre, que là, tout. Faut que j'arrête de dire genre en plus. On voit bien que tous les trucs religieux ou qui datent du Moyen-Âge sont là, là. On voit bien, là. Les églises, l'abbaye, il y a tout, tout ce qui est intéressant. Et ensuite, on va faire un truc. Voir tous les fonds de carte et on va mettre la carte d'état-major. Et voilà. Et c'est ça qui est super cool à voir, c'est que hop, si on superpose les deux, on voit que Beaugency avant c'était juste ça. Genre vraiment juste ça.
Et hop, si je la mets au-dessus, on voit que c'était le centre-ville. Et c'est exactement ce qu'on avait vu la dernière fois. Et c'est pour ça que les remparts qu'on a vus, c'était ces remparts-là qui étaient à cet endroit-là en fait. On avait des remparts ici. Voilà. Et maintenant aujourd'hui, la ville de Beaugency, elle est super intéressante et super importante. Si on regarde maintenant, on va enlever cette carte pour supprimer, voilà. Si on prend la carte IGN et qu'on prend Beaugency, hop, hop, Blois, Orléans, Beaugency, il y a un pont ici, et un pont ici, Main-sur-Loire. Et avant, il n'y avait pas de pont ici, il n'y avait pas de pont ici. Donc Beaugency, c'est vraiment pile entre les deux. Ensuite, il y a Main-sur-Loire et Mer qui est pile entre les deux de Beaugency. Et c'est pour ça que ça a une place importante aujourd'hui. Et si vous regardez bien, là, vous avez la Loire. La Loire qui va de Orléans-Beaugency. Et la Nationale. Et la 10. Et les chemins de fer. Et en fait, tout est parallèle. C'est ça qu'on avait vu pour le live de Taver et pour le live de Beaugency. Tout est parallèle. C'est intéressant de voir ça dans. On voit bien que les villes, en fait, elles se sont bien construites et aménagées tout le long de la nationale, en fait. Tout le long de la nationale parce que c'était le meilleur moyen de transport. Voilà. Comment la ville, est-ce qu'elle a évolué? Attends, parce que du coup, faut que j'aille au diapo, faut que je retourne au diapo et que je vous montre comment. Enfin, voilà, on a parlé du centre-ville, voilà, je voulais vous montrer comment c'était parce qu'en fait, ici, on voit bien de cette vue aérienne le pont. Et là. Le centre-ville et les remparts qui étaient là-bas, la tour César, l'abbaye et toutes les églises qu'il y a au centre-ville. Ça se voit en fait. Et c'est tout ce qu'on avait vu pendant le live. Malheureusement, voilà, là on en voit une partie en plus. Là, c'est des remparts aussi. Ça, c'est des remparts. Voilà. Est-ce que s'il y a des questions sur la première partie, vous pouvez. Sinon, on passe à la partie 3 directement. Parce que là j'étais assez rapide en fait sur tout ce qui est centre-ville et. En fait j'ai mis les deux en un en fait. J'ai vu le retour sur le live assez rapidement. Donc s'il y a quoi que ce soit. En plus. Ils sont pointus puis arrondis. Là. Ah là, attends, tu veux dire là c'est pointu et là c'est arrondi? Parce que si c'est ça la question, en fait c'est exactement là où il y a eu le. Il est là en fait. Là où le pont a été détruit, ça c'est l'ancien pont. Et ça c'est le nouveau. Et en fait, si tu trouves que c'est pointu, et oui, beaucoup moins large que là, en fait c'est parce que ça c'était l'ancien pont. Et vu que ça a été réaménagé, ils ont peut-être choisi. Je pourrais pas te répondre exactement pourquoi, mais je sais juste que en fait ça n'a pas été construit au même moment, les deux. Puisque si ça avait pas été détruit à cet endroit-là, ça aurait été pareil tout le long. Et là, c'est plus large en fait. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais si c'était ça la question, c'est ça la réponse. Alors là, par contre, c'est tout ce qui est partie technique, moi je peux pas. Je pourrais pas te répondre tout ce qui est partie technique par rapport à la construction d'un pont. Ouais, le point de reconstruction, il est là, là. Là où on l'a vu. Attends, je vais te remonter là. Ah, je crois que je l'ai fermé. Je crois que je l'ai fermé, mais là où c'est. En fait, il y a un moment où c'est reconstruit, et c'est pour ça que ça, c'est plus récent. Et ça, c'est beaucoup plus récent que ça, en fait. On va passer à la partie 3 du coup si j'ai. Mais après je pourrais pas te répondre. Question technique, tu arrondis plus facilement, je sais pas. Je sais pas, désolé. Vraiment, j'ai pas de questions techniques. Et du coup on a vu bah, la partie 3, les voies de communication, j'ai à peu près parlé de tout. On voit des choses intéressantes. Là, National, Loire, A10, chemin de fer. 4 points parallèles, littéralement. Et la ville, qui va vraiment s'aménager tout le long. Là, qui s'arrête là parce qu'après c'est Taver. Et par rapport à ces voies de communication, on va voir bah, les routes, c'est le plus important. On voit bien qu'en fait, à chaque route jaune, la ville, elle se construit autour. Là, c'est vide. Hein. Là, quand c'est foncé, c'est que c'est des habitations en fait. Et on parlera de ça plus en détail, de son expansion plus en détail dans la partie 4. Mais c'est juste pour vous montrer les voies de communication. Avant la Loire, il y avait les bateaux. Là, il y avait les voitures. Là, les chemins de fer. Et en fait, hop, si.
Si on regarde bien, on en a parlé dans l'autre truc. Mais en fait, vu que la ville, ici, ça c'est le centre-ville, et ben si vous remarquez bien, la gare elle est là. Et il n'y a pas de grosse voie de communication qui passe dans la ville de Beaugency. Aujourd'hui, hein, je parle. Pas aujourd'hui, à l'époque, quand le centre-ville était encore de cette taille-là. Il y avait vraiment sur les côtés la nationale et la gare qui a été construite un peu plus tard. Mais on voit bien qu'elle est à l'extérieur. Et si vous remarquez bien dans toutes vos villes, en fait dans toutes les villes où il y a des gares, en fait la gare elle est à l'extrémité de l'ancienne ville. Vous prenez une carte, vous regardez une carte de Cassini, une carte d'état-major, on verra ça dans un autre live. Le nom des cartes et les cartes qu'on a pu voir. Si vous regardez bien, les gares sont toujours à l'extrémité de la ville. Parce que on les mettait pas en centre-ville avant. Mais aujourd'hui les villes s'étendent. Si vous prenez Orléans par exemple, à la base, enfin la gare, si vous remarquez bien, elle est allée à la sortie de l'hypercentre. Si vous prenez Blois, c'est pareil. Si vous prenez les villes Main-sur-Loire, c'est pareil. Mer, c'est pareil. C'est à la sortie de l'hypercentre, de l'ancien centre-ville. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que c'est là. Maintenant c'est dans la ville, hein. Et on regarde bien les autres voies de communication, les villes les plus importantes, les routes les plus importantes. Il y a tout le monde qui s'est installé, enfin tout le monde, toute la population s'est installée le long des routes en fait. Voilà pourquoi les voies de communication aujourd'hui c'est important. Voilà, la gare, ça c'est dans cette partie-là, enfin entre Orléans et Blois, c'est super intéressant de voir que ce parallèle il fait vraiment des villes similaires. On parlera de Mer plus tard parce qu'on n'hésitera pas à aller à Mer. On voit bien que Mer c'est pareil, hein. Mer, l'ancien centre-ville, la gare à l'extrémité, et on va aller voir Main-sur-Loire aussi, qui sont les trois grosses villes entre les deux. Voilà, le centre-ville qui fait tout ça, qui est beaucoup plus grand, et la gare à l'extérieur, quoi. Encore. Voilà. Vu les voies de communication, je regarde juste si j'ai bien tout dit. Ouais, et j'ai oublié de préciser aussi, à Beaugency, on l'a vu, hein, mais il n'y a que deux ou trois arrêts de bus et ils passent que sur la nationale et sur cette route-là. Je crois qu'il y en a un, c'est pas je crois, hein. Il y en a un ici, un sur la nationale en plein milieu et un ici. Et c'est les trois seuls arrêts de bus qu'on peut voir dans la ville de Beaugency, donc on voit quand même que ça manque pas mal d'infrastructures par rapport aux communications avec les autres grandes villes. Mais voilà. Ensuite, on va voir la partie 4 du coup. Son évolution. Et voilà, une évolution vers le nord due à des risques au sud de la Loire. Et qu'est-ce qu'on va voir? Pourquoi? Quels sont les risques? On va parler d'un risque en particulier aujourd'hui. Et le risque particulier, c'est celui-là. Les zones inondables de la commune de Beaugency. Et ça, c'est des cartes qu'on verra assez souvent quand on verra les villes, qui les villes côtières en fait. Et ça, c'est. Alors, si on regarde bien. La Loire, comme je vous ai dit, là, et on voit bien que la ville, elle est vraiment construite, sauf cas exceptionnel, hors des zones inondables. Là, ça ne va pas dans les zones inondables. Et c'est pour ça qu'au sud, si on regarde bien, enfin, on a la Beauce et la Sologne. Hein. Les terres sont pas pareilles. Hein. Les terrains, c'est pas pareil. Au sud, on va avoir beaucoup de forêts. Dans la Sologne, en général, on va avoir beaucoup de forêts. Alors qu'en Beauce, tandis qu'en Beauce, on va avoir énormément d'agriculture et de terrains plats. Et c'est pour ça que les terrains ne sont pas les mêmes. Et que le fait que ce soit plus facilement inondable, je reviendrai dessus. On fera un cours entier sur l'eau. Ouais, ça a l'air super cool, hein. On va parler une bonne demi-heure sur l'eau, en fait, de pourquoi les zones inondables, pourquoi pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va aller vers le nord plutôt que vers le sud, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à aller vers le sud en tout cas. Et voilà, des services qui s'installent et qui changent. Vraiment, grave envie d'habiter à Beaugency? C'est ironique ou pas? Parce que là, on va regarder les services. Et là, on est en train de préparer le live, parce que là, on va regarder un petit peu. Ah ouais, non, tu rigoles. Mais je me disais, hein, parce que j'ai pas encore. Là, on va regarder là où on va aller. Donc, la semaine d'avant, on était allé tout là. On a fait tout le tour d'ici. Et là, cette semaine, on va aller sur la partie nord qui a été aménagée. Et on va démarrer de là. Et on va aller tout le long là. Ça, c'est tout ce qu'on va faire.
On va pas aller jusque là, on va aller jusque lycée et je pense qu'on va revenir par là. Enfin, on va regarder toute cette zone. Et en fait, dans cette zone, il y a eu une expansion. Donc là, on a le centre-ville avec il y a l'abbaye qui est devenue un lycée, il y a un collège privé catholique et il y a l'école du Mail. Et en fait, si on regarde bien, au bout d'un moment, la ville, elle s'est dit, vas-y, faut peut-être qu'on s'étende. Les habitants, pas la ville, elle s'est dit, faut peut-être qu'on s'étende. Et ils ont décidé de se dire, bah, on va aller vers le nord et on va aller vers les Hauts-de-Lus. Il y a eu deux endroits. Les Hauts-de-Lus, bah, va y avoir un complexe sportif, va y avoir un collège, ici. Et de ce côté-là, on va avoir un lycée. Donc, lycée général, c'est le seul lycée qu'il y a entre Orléans et Blois. Il y en a à Orléans et à Blois, hein, mais c'est le seul lycée qu'il y a entre les deux. Donc, vraiment, encore quelque chose qui attire la ville. Non, mais on va parler des grandes villes beaucoup plus tard. Déjà, je me dis jusqu'au mois de juin, je me donne jusqu'au mois de juin pour faire toute la ville d'Orléans en entière. Alors, attends pas qu'on parle d'Istanbul. Parce que déjà, même avec le coronavirus, mon gars. On pourra pas y aller, tu vois. Parce que c'est bien cool d'en parler, mais ce serait bien d'aller voir sur place. Parce que là, je parle de ça parce qu'on va aller voir sur place, en fait. Et ça, c'est cool. Et en fait, il y a plein de choses qui vont être aménagées. Ici, on va mettre l'autre carte. On va mettre une autre carte. On va mettre photographie aérienne. Voilà. Hop là. Et là, on va voir qu'il y a eu énormément d'aménagements. Ici, la maternité. Ici, ça a été transformé. Maintenant, c'est l'agora. Donc, on va y ramener des services. Il y a la poste. Il y a Secours Populaire. Donc en fait. Ah merci Rafik. Merci pour le follow Rafik. Et du coup, en fait, il y a le lycée. Il y a vraiment beaucoup de choses qui poussent à l'expansion de la ville vers le nord. Et là, il y a le parc. Là, il y a le centre aéré. Merci, bonsoir Rafik. Installe-toi. Installe-toi. Pas besoin de billets de retard, c'est suffisant. Bora Bora. Mais le coronavirus, vous connaissez? Je pense qu'on vit pas dans la même dimension. Il me permet pas d'aller où je veux, d'accord? Déjà, les lives, si on veut le faire sur des grandes villes, faut pas que ce soit à 18h. Ça fait plaisir, Rafik. Installe-toi, mets-toi confortablement, fais comme si t'étais chez toi, mais t'es en cours. Et du coup, voilà, il y a plein de services qui s'étendent vers le nord. Et voilà. Et quel est le type de population du coup? On a la population ici qui est plutôt l'ancienne, vraiment l'ancienne, les anciens Balgenciens, vraiment c'est des vrais Balgenciens qui sont là, ou des personnes qui ont de l'argent. Parce que ça commence à coûter cher, hein. Le centre-ville commence à coûter très cher, hein, parce que c'est vraiment calme. En fait, vous avez vraiment le calme de la campagne, et pourtant vous êtes en ville. Et ici, le type de population, ce qu'on va voir, ça va être vraiment. Ici, on a différents quartiers, on a le quartier des Laurières. Ici, on a le quartier des Chaussées et tous ces quartiers, tout ce qu'on va voir dimanche, en fait, on va pouvoir voir le type de population et je vous donne des indices. On va regarder par rapport au type de voiture qu'il y a, type d'aménagement qu'il y a, parce qu'on voit bien en fait d'au-dessus. Non, on n'est pas beauf, nous, à Beaugency. Bah non, ah, je te le dis. Eh, on défend Beaugency ici. Mais on n'est pas beauf. On a vraiment, si on regarde bien, on a des quartiers pavillonnaires en fait. Et c'est ça qui va nous interroger ou nous donner des informations sur le type de population. Assez simplement, hein. Et on l'avait vu quand j'avais fait le live sur Taver, mais c'est marrant parce qu'il y avait personne. J'ai fait un live où il y avait personne, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, type de population. Voilà, on a plusieurs quartiers, mais de toute façon, on verra tous ces quartiers. Ouais, il y a 7500 habitants en moyenne à Beaugency, mais ça a tendance à perdre. Et ça, on en parlera dimanche. En fait, vous verrez. Pourquoi la ville de Beaugency elle perd des habitants et pourquoi la ville de Main-sur-Loire en gagne? Voilà, je te donne un indice. Pourquoi la ville de Main-sur-Loire en gagne et la ville de Mer aussi? Non, elle est bien la ville. C'est une ville de campagne. Après, si t'habites à Paris, c'est pas pareil, hein. On parle vraiment d'une ville. C'est pas un village, c'est une ville. Ouais, faut suivre les lives pour comprendre. Merci, Stuflex. Parce que. Ouais. Vous verrez, dimanche on ira dans des trucs. Voilà. Et ensuite, bah voilà, là je vous ai parlé de tout ce qu'on va voir dimanche. Mais après ça va, c'est pas des. Ah, c'est pas que le club de foot, hein. Mais il y a des raisons. Et le club de foot, c'est pas anodin. Voilà, tout ce qu'on va voir dimanche, c'est là. Et c'est cool, hein. Je pense qu'on a des trucs à dire. Pourquoi il y a la centrale? Elle est où la centrale? Elle est là, là. Ça, c'est Saint-Laurent, ça. On a une centrale.
Pas très loin. Et puis j'allais dire où j'habite, mais en fait j'ai pas envie. Parce que sur la rediff, si je dis où j'habite, c'est pas cool. Ouais, le labyrinthe de Blancy, il est exactement ici. Tu vois. Comme tu peux le voir. Et ouais, il est cool. Je l'ai fait une fois de nuit, une fois de jour. J'étais gamin. Et c'était vraiment bien. Et je sais pas quand est-ce que ça va rouvrir en vrai. Hein. Mais c'est cool, hein. Ouais, non, mais il y a eu des pubs jusqu'à Paris, du labyrinthe de Beaugency. Mais en fait, c'est pas une ville. Bon, après, là, je parle. Voilà, pour les scientifiques, pour les historiens et les géographes, Beaugency, c'est connu, hein. C'est vraiment connu, hein. Déjà par son histoire, pour les historiens en particulier. Et par sa géographie assez intéressante. De toute façon, c'est pas que. En fait, pour les géographes, en fait, ça va être vraiment cette zone Orléans-Blois qui est vraiment intéressante. C'est super intéressant. Bah, faut savoir, si je ne me trompe pas, d'après ce que j'ai pu travailler. Alors, où est Beaugency? Merci de m'avoir perdu. Voilà. Ouais, mais ça aurait été cool, hein. Un live labyrinthe. je vis dans le labyrinthe. Parce que Beaugency, c'est un labyrinthe. Mais ouais, il y a des lives de trucs comme ça que je voudrais faire. C'est moi le garde, en fait. C'est moi qui fais des bénéfs sur tout le labyrinthe. Et voilà. Et là. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, dommage Covid, hein. Mais sinon, on aurait fait un truc, hein. Je vous aurais invité dans un live là tous, et on aurait fait un live labyrinthe avec une GoPro parce que c'est commandé la GoPro, c'est commandé. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est connu, c'est connu, c'est connu. Bon, j'en sais, c'est vraiment connu. Il y a des pubs du labyrinthe et même du salon du livre aussi. Le salon du livre de Beaugency. Et puis même après, on a Blois, on a les rendez-vous de l'histoire et donc les rendez-vous de l'histoire qui parlent. Blois, 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 Blois. Ici, les rendez-vous de l'histoire. Donc vraiment un point central des scientifiques, des historiens en France. Voilà. Puis, hé, pour ceux qui avaient vu Taver, là, il y a 2 semaines, je crois. Mais je crois qu'il n'y avait personne. Je crois que j'ai tapé mon live tout seul. Mais sinon, on peut le refaire. Hein. Moi, c'était un live de 45 minutes et on a marché de là à là. Et sinon, j'enlève la rediff et on refait un live Taver. Hein. Mais c'était intéressant et c'est pas du tout chiant. Hein. Moi j'ai bien aimé. Hein. On s'est déplacé, on a fait ça, on est remonté, on a vu ça. Et il y avait des trucs super intéressants. Après c'est Taver. Hein. C'est de la campagne pure et dure. Hein. 1500 habitants là. Même pas. Si vous voulez voir. Mais non mais Rafik il a le prime. Il a le prime. Eh mais attends, je crois que ce soir je peux mettre VIP, je crois. Ah je peux pas encore. Mais je crois que vu qu'on atteint, je crois à la fin du live, vu qu'on a atteint les 50 follow, on a dépassé les 50 follow, et ben je pourrais mettre VIP. Mais André il est modo parce que je lui dis vas-y gère. Ah merci Elias d'avoir follow, ça fait plaisir. Installe-toi, installe-toi. Bah il me faut bien quelqu'un qui gère le chat, tu vois. Donc je demande à André parce que il est là tout le temps, tu vois. Il chaud mais ça fait plaisir. C'est gratuit ça. Mais dès qu'il y aura le tag VIP, je l'ai dit en plus, je l'ai dit sur Twitter. Les gens qui viennent le plus souvent, je vais mettre on a débloqué le logo de VIP, tu vois. Et Rafik, c'est parce qu'il a le Prime. Il a le Prime Gaming. Moi aussi, je l'ai. Mais t'inquiète, ça va claquer ça en balle quand. Mais pas forcément sur moi, mais claquer vos Primes si jamais il y en a qui l'ont. Mais pas sur moi, mais claquer ça. Enfin, pas forcément sur moi, claquer ça sur des petits streamers, ça peut aider. Et en plus, vas-y, dès qu'on passe. Bah, attendez, vous savez quoi? Je vais mettre ma tête, c'est plus intéressant comme ça, vous voyez le chat aussi. Là, là. Ah, ça s'est. Eh! Ça s'est actualisé tout seul, j'avais mis 50 là. Ça s'est mis 51 alors qu'on est 54. Ouais, eh! Dès que j'ai dépassé le stade d'affilié, pardon. Les subs. Le sub goal qui va monter. Là, on a le donation goal pour le backpack, parce qu'il coûte cher. On avait dit, le follower, bah ça. Plus il monte, mieux c'est, hein. On va pas se plaindre. Et après, les subs, ça va me permettre d'acheter du matos, toujours. Ça me fait plaisir. Et puis, voir des gens qui supportent, tu vois. De venir supporter un stream. Qui fait pas de jeux vidéo pour une fois. Enfin, pour une fois. Non, il y en a. Mais j'espère qu'il y en aura de plus en plus, hein. Puis même, ouais, je mettrai des vidéos sur YouTube, hein. N'hésitez pas, hein, les gars. Et je vais vous remontrer. Si vous allez sur mon Twitch. Là, là. Vous avez tout, hein. YouTube, Twitter, Insta. La plupart, vous êtes déjà abonnés. En plus, vous pouvez voir les sons que je joue. Bon, c'est toujours le même parce qu'il faut qu'il y ait une ambiance derrière, tu vois. Mais des lives de 1 heure là, déjà, on est déjà à 45 minutes. Mais j'ai fait déjà tout ce que je voulais, c'est pour ça que je discute avec vous. Mais venez sur YouTube, lâchez un petit abonnement. Normalement, ça va être que des montages, des rediffs, enfin des vidéos comme ça là. Ouais, mais ça fait longtemps que je voulais stream un hein, Rafik. En plus, tu connais, hein. Tu connais, hein.
Mais j'avais pas d'idée vraiment où je me disais vas-y c'est cool et j'ai envie de le faire. Mais là ça m'a grave motivé. Déjà lundi on était plus de 30 sur le live. Moyenne de viewers. Mais en fait je mets les stats parce que j'ai grave envie de rester transparent, tu vois. Ah merci André, il bloque les les termes. Mais ouais, il y avait moyenne de viewers 25, wesh. Et j'ai envie de montrer les stats, tu vois, j'ai grave envie de rester transparent. Et j'ai envie de le faire jusqu'au bout. Parce que... Hop, je remets ma tête. Mais ça, c'est Mathieu, ouais. Gringo, c'est Mathieu. Et ouais, toujours rester moi-même, du début à la fin. Ouais, mais ça me fait trop plaisir. C'est trop cool la dernière fois qu'il y avait autant de monde. On était 30, j'ai pu présenter au moins tous mes projets à tout le monde. Et j'ai eu grave des bons retours. C'était grave cool. Donc, voir qu'en plus aujourd'hui, on est là, je sais pas, on doit avoir une moyenne de 13 personnes sur le chat. Et c'est fou pour un deuxième live. Puis là, la qualité, vas-y, voilà, focus. Ouais, faut qu'il y ait. Plus il y a de monde, mieux c'est. Parce qu'après, j'ai des projets de ouf. Mais de toute façon, on les a vus. On les a vus, les lives IRL et tout. Donc, on. Si vous avez des idées. Et puis il y a des gens que je vais inviter aussi. Mais plutôt que prévu, je pense. Je vais inviter des gens. Ah oui, il y a aussi. Eh, ça. Ça, j'en ai pas parlé la dernière fois. Parce que. Est-ce que. Non, je vais pas vous demander maintenant. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde. Ouais, t'as vu? Même le ratio follower viewer. Ouais, parce que moi, c'est ce que j'ai dit à André. La dernière fois, André, il avait banni Pierre parce qu'il avait dit juif. Et du coup, Pierre, il s'est recréé un compte et il m'a refollow avec. Et je me suis dit, non, faut pas de faux follow, tu vois. Moi, je veux que des vraies personnes qui viennent. En fait, je veux vraiment que tu vas me dire que ça intéresse 100%. Et puis même, les vues sur YouTube, je crois que je suis à 80% de non-abonnés, tu vois. Donc, il y a des gens qui viennent et qui regardent, mais qui sont pas abonnés. Bon, après, la moyenne de watch time, elle est pas folle. Mais on s'en fout de ça. Enfin, non, on s'en fout pas. Je veux que vous regardiez, que ça vous intéresse. Je veux vraiment que les gens viennent et que s'il y a des choses à améliorer, je le ferai. Ouais, est-ce que ça vous. Ok, vous voulez que je demande? Je vais demander. Non, mais André, il savait pas que c'était Pierre en plus qui avait dit ça. Mais c'est pour ça. Bref, pas de faux follow. Je veux vraiment que des vrais gens qui se disent, vas-y, il est cool lui, ou je veux le supporter. Vas-y, go follow, tu vois. Après, il y a des termes que je dis. Que je dis trop, genre ou améliorer mon langage. Et ouais, voilà, ma question c'est est-ce que. Parce que vous savez donc que là, le live pour moi, enfin tout ce que je voulais vous présenter pendant le live, on va retourner vite fait sur le diapo, je vais vous montrer le diapo. En plus, les transitions elles font vraiment plaisir, j'aime trop les faire. Voilà, tout ce qu'on a fait, là on a tout fait, hein. Là on a tout fait, on a tout parlé. Donc là on a fini, on a parlé de Beaugency. Dimanche, si le temps est beau, on ira à Beaugency et. Et on a El Famoso Matos, le micro aussi, et tout ce qu'il faut. Je sais pas où il est le micro, ouais, je l'ai reposé là-bas. Je remets ma tête. Tu vois, ça c'est mon overlay préféré, parce que je peux parler avec vous. je le dis pas en live, parce qu'il y a des rediffs et j'ai pas envie que ça me le prenne. Non mais le matos il est là, hein. Ça c'est le stabilisateur, ça. C'est bon, c'est un stabilisateur cheap, mais c'est un stabilisateur qui va fonctionner, tu vois. Et le micro-cravate, je remontre à ceux qui sont peut-être arrivés en retard, mais le micro-cravate. Donc là, on va faire vous aurez un son propre, une image propre. Ça va changer de ce qu'on avait fait, j'espère. J'espère vraiment. Parce que après, vu que je serai dehors, j'aurai pas autant de pouvoir que là. Parce que là, je peux faire plein de trucs. Si je veux mettre des animations et tout, quand je serai dehors, j'aurai juste mon téléphone. Mais je veux investir. Parce que là, il y a une GoPro qui va s'acheter. Comme ça, je pourrais la connecter en Wi-Fi, utiliser la GoPro, faire une double cam sur moi. Faire des giga trucs. Mais vraiment, vraiment, il y a trop de projets que je veux mettre en place parce que le live IRL, ça peut grave faire des trucs de fou. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup en France qui le font. Je n'ai pas encore regardé beaucoup des US, mais j'ai regardé des extraits de certains. Ils font des trucs de fou, tu vois. Et j'aimerais m'installer. Je vais avoir la prétention de le dire, hein. Vraiment, j'ai pas peur de le dire. En fait, je vais être un des premiers à m'installer dans le live IRL parce que j'ai trop d'idées. Mais vraiment, je veux m'installer dans le live IRL et me dire, vas-y, c'est cool, il y a trop de gens intéressés par le live IRL parce qu'il n'y en a pas assez, en fait. En France, hein, il y en a pas assez. Mais on verra, mais c'est mon but, hein, peu importe si ça fait le mec qui veut se la péter ou quoi, mais je le ferai, c'est mon goal. Bref, là on est dans science et éducation, on est dans la catégorie science et éducation, donc c'est pas pareil. Bref, une question. Ça c'est André qui mange chicken spot sur les quais. Pas encore la star. Pas encore. Mais je veux pas, c'est pas le but d'être une star, c'est juste intéresser des gens sur des trucs intéressants.
Et une question à ceux qui sont là, et je la reposerai encore autre part. Putain, j'aimerais avoir un peu plus de followers aussi sur Twitter, comme ça je peux faire des questions. Parce que les gens, vas-y, sur Insta, ils regardent ma story, ils disent, ah, lui, il fait des vidéos YouTube. Mais sur Twitter, c'est plus intéressant. Et je vais faire un truc. Est-ce que ça intéresserait certaines personnes parmi vous, genre que j'invite des professionnels de la géographie à des lives, et on leur pose des questions, et ils nous parlent de leur métier en détail, et des trucs qui peuvent durer genre 45 minutes, 1 heure, parce que, en vrai, j'ai pensé à ça l'autre jour. Non, mais oui. Non, mais oui, mais j'explique en détail pourquoi j'y ai pensé. Ouais, mais genre voilà, en fait. Et l'autre jour, j'étais en cours. Et en fait, je réfléchissais à comment apporter ça à mon mémoire. Et je vais vous donner une idée. Vraiment, là, je vais vous donner une idée que je pense personne n'a jamais fait. Là, c'est le temps du débat. Ouais, et de ouf. Cette idée, elle est géniale. D'accord? Mais maintenant, faut que ce soit approuvé par mes profs. J'aimerais faire mon mémoire, ma soutenance de mémoire, en live sur Twitch. C'est pas ouf, genre comme idée, personne n'a fait une soutenance en live. Genre c'est fou quoi, enfin mon idée, enfin l'idée elle est folle. Non mais en vrai, ce serait trop ouf. Parce que mon sujet, c'est les nouvelles technologies. Donc pourquoi, pour mon mémoire qui est sujet des nouvelles technologies, pourquoi pas le faire en live sur Twitch? Mais vraiment! Ce serait trop fou. C'est-à-dire que d'une, vous verrez tout le taf que j'ai mené pendant 1 an et demi, 2 ans, sur Twitch. Et les gens, ils vont voir enfin ce que c'est qu'une soutenance de mémoire. Ça peut intéresser des gens, voir le taf que j'ai ramené. Et en plus, je vais parler de vous, parce que forcément, dans mon mémoire, en fait, mon but de mon mémoire, c'est vraiment de parler de Twitch. Et donc, j'aimerais avoir déjà l'approbation de mon jury. Voilà. Et ensuite, bah, de toute façon, je vais parler Twitch. J'ai une sous-partie qui parle de Twitch, de YouTube et des réseaux sociaux par rapport au dynamisme dans mon mémoire. Donc je me dis, pourquoi pas déjà avoir un de mes profs. Ouais, Ryan, elle vient juste de l'apprendre. Je viens juste d'en parler à tout le monde en fait. Non mais après voilà, de toute façon j'aurai pas les commentaires, j'aurai pas les commentaires quand je vous dis live, c'est genre vas-y, je mets la caméra comme ça et bah je parle, vous me verrez juste de côté, vous aurez le micro et ouais en fait j'ai juste, en fait je voulais le dire en live parce que je voulais, ouais juste diffusion, donc les commentaires je les vois pas, il y aura pas de son de votre part, ce sera pas le même overlay, il y aura juste le diapo que vous verrez, en fait il y aura ce diapo et vous me verrez en grand tu vois, mais j'aurai pas vos commentaires. Non mais tranquille, mais j'ai trop une idée, genre ça pourrait être trop cool. Et en plus de ça, je vais parler de Twitch, donc du coup, en vrai c'est une idée de fou. Donc faut que j'en parle à mon prof, et j'aimerais inviter un de mes profs de géographie, un ou plusieurs de mes profs, dans un des lives, pour qu'il me parle de son métier, parce qu'en vrai c'est des géographes purs et durs. Et ouais, d'ailleurs, comme ça vous verrez toutes les nuances. Des profs, enfin des géographes en fait, parce qu'il y a plein de profs différents. Moi, mon tuteur de mémoire, il est spécialisé dans l'urbanisme, et j'en ai d'autres profs qui sont spécialisés. En plus, tu mens, je fais le lit à l'appart, donc ok, déjà. Et il y a des profs qui sont spécialistes des zones rurales ou de l'eau, enfin des trucs comme ça. Donc, si je peux inviter un quelques-uns, parce qu'en plus je les connais bien, sur des lives, ce serait trop cool. Mais est-ce que ça vous intéresse que je ramène un ou deux de mes profs? Mais je pense que je ferai ça début d'année prochaine. En mode un vrai setup de fou, genre à la fac, directement, si la fac est ouverte avec le coronavirus, et vous me verrez, moi et le prof. Genre, des vraies questions. Et comme ça, je pourrais en amont préparer un live sur la licence de géo et le master de géo, tu vois. Enfin, après, vous, ça vous intéresse peut-être pas parce que vous avez déjà peut-être fini les études ou quoi que ce soit, mais genre, ça peut intéresser d'autres mondes. Mais là, on est 14, on est entre nous, t'inquiète. Mais je me dis, si, ouais, Ryan, je sais que la géographie et l'histoire, ça t'intéresse pas, donc en fait, ton avis, là, pour la géographie et l'histoire, mais en vrai, non, mais je sais ce que tu penses, donc il n'y a pas de souci. Mais je pense que, tu vois, si j'atteins genre un nombre de viewers 100, 200, 300 par live. Ça pourrait être trop cool d'inviter des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Twitch maintenant. Au bout d'un an, 1 an et demi là, je prépare ça et j'invite mes profs, tu vois. Et après des professionnels, parce qu'en fait j'ai des contacts. Bon après, sauf Tao qui me répondent pas parce qu'ils veulent pas me connaître dans mon mémoire. Et j'ai trop d'idées. Par exemple, je vous tease un autre truc, hein.
pour quand on va faire la série sur Orléans. Orléans, c'est une ville que je connais bien, c'est mon mémoire, donc c'est intéressant. C'est quoi cette émeute même? Je connais pas. Eh ben. Ouais, Tao, ouais, ils me répondent pas. J'ai besoin d'eux pour mon mémoire, c'est ma partie ma plus importante. Ils me font une giga sous-partie et ils sont même pas foutus de me répondre à mes questions. Et de à mes appels, ni rien. Je vais inviter des gens qui influencent énormément la ville d'Orléans dans son dynamisme. Et là, je pense qu'on fera des lives. J'ai plein d'idées de lives. Hein. Je pense qu'il y aura des lives spéciaux. Et surtout les dimanches, quand on pourra pas sortir. Parce que là, je vous tease un peu le programme, mais il y aura des dimanches, forcément, il va pleuvoir. Et j'espère pas ce dimanche, parce que là, on a parlé de Beaugency. Mais on va rester à l'appart. Enfin, à la maison. Et je vous ferai un live de chez moi. Et je pense que là, je pourrais prendre ces créneaux pour faire ça. Pour vous parler de mon mémoire, parler de la licence, parler de trucs. Ouais, je parle de moi, hein, mais je veux parler de la géographie surtout en particulier. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, non, il n'y a pas assez de gens qui connaissent la géographie. Mais toi, je t'inviterai plus tard quand tu feras tes lives et tes vidéos YouTube. Mais ouais, il y a plein de trucs que je peux faire. J'ai plein d'idées de live. Mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je sois plus régulier. Mais déjà, là, tu vois, je fais des lives de 1 heure et je trouve déjà qu'on parle beaucoup. Enfin, c'est trop cool d'avoir autant d'interactions avec vous. Mais live 1 heure, 1 heure et demie, pour moi, c'est parfait. Tous les soirs, si j'en fais un 1 heure, 1 heure et demie. Après, mon setup, il est chez moi. Hein. Normalement, je suis chez Rian toute la semaine. Hein. Mais en fait, là, si vous regardez bien le programme, il y en aura un lundi, un le mercredi et un le dimanche. Le dimanche, ça va être dehors. Et si je peux en rajouter un de plus, ça veut dire qu'il faudrait que je me fasse un setup à Orléans. Après, avec les donation goals. les subs, ils vont ralasse, hein. Ils vont ralasse le matos. Hein. Moi, je le dis. Les gars, moi, juste les subs et les dons, ça va uniquement servir à améliorer les lives et à payer des gens pour venir faire les lives avec moi. Hein. Même si au début, je pense qu'il y en a pas mal qui vont le faire bénévolement. Mais ouais, hein, c'est cool déjà 16 personnes et sur 54 followers, je crois, et pas mal de personnes qui parlent. Je pense on a pété les stats hein, la semaine dernière. Ah, mais attendez, je vais vous montrer parce que là on est entre nous. Et ça, c'est des trucs que je vais pas mettre sur YouTube. Pas de bureau moche dans le salon. Bah, ok, bah alors c'est-à-dire que je vais rester chez moi toute la semaine pour pouvoir faire des lives de qualité. Tiens, c'est cool en plus, je vous montre hein, ici. je vous prépare tout. Ah merde, vous voyez pas. Super. Ici, je vous prépare toujours tous les onglets avant d'y aller. Et voilà, là on va fermer. Et je vais vous montrer, on ferme tout. Je vais vous montrer les stats de la chaîne Twitch. Ouais. Il n'y a pas de souci, tu vois. Profitez-en. C'est studio vidéo. Là, il y a toutes les vidéos que j'ai faites. Il y en a qui sont fermées parce que les premières fois, ça a duré 15 secondes, 30 secondes. Voilà. Profitez des statistiques. Parce que ça, c'est des trucs que les youtubeurs vous montrent pas. Voilà. Ah non, c'était résumé du stream. Et ça? Wesh, on a pété des scores, la vérité. Ah non, ça c'est mercredi. Il est encore en train de calculer. Ah! Là on a fait ça, et à la fin du stream, ça fait trop cool, je pourrais faire des trucs stylés. Wesh, 12 followers, 25 spectateurs moyenne, 34 max. Spectateur unique 55. Personne qui discute dans le chat 24. Eh les gars, et durée du stream 53 minutes. C'est énorme, c'est-à-dire qu'une personne sur deux qui a. En plus, j'avais 42 followers à ce moment-là. C'est-à-dire que plus d'une personne sur deux était venue voir. Bon là, je vous montre les stats. Hein. Au bout d'un moment, je vous montrerai plus parce que on veut quand même montrer une bonne image. Parce que s'il y a des jours où je suis à deux viewers, mais non. Mais déjà les lives de chez moi, j'ai trop d'idées intéressantes. Ok. Voilà. Là, je tourne en boucle depuis tout à l'heure. Et tiens, il y a Kenpachi qui est en live. Donc voilà, on est bien. Est-ce que je peux faire un truc sympa? Est-ce que je peux faire un truc sympa? Non, 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 non. Si vous avez des choses qui vous intéressent plus que d'autres, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Attends, on va faire ça. Parce qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que. En vrai, je vais pas vous mentir, hein, je taffe de ouf pour les lives le soir quand je le fais. Hein. Macron, il a rien dit parce qu'il parle samedi. Il parle samedi, mon gars. Attends. Tableau de bord, voilà. Voilà. Non, ouais. En tout cas, là on est plus que 11. On va passer à 10 parce que je dis plus rien d'intéressant. Donc, qu'est-ce que je voulais que je fasse? S'il y a des idées qui vous plaisent plus que d'autres,
N'hésitez pas à me le dire, vraiment. Comme ça, je peux passer si je peux passer plus de temps à préparer des lives qui peuvent vous intéresser. Mais voilà, n'hésitez pas à aller. On va... Je vais vous remontrer. Hop, là, si vous êtes sur téléphone, je vais vous montrer. Vous allez là, là. Et les gars, go follow Twitter si vous l'avez pas déjà fait. Ouais, un temps du débat, mais hé, je vais faire des débats avec vous, hein. La vérité, hein. J'ai trop envie de parler, par exemple, de coronavirus et voir vos trucs et vous laisser, en fait. Genre, poser une problématique et voir ce que je peux en retirer, genre pendant 30 minutes, 45 minutes, du débat entre vous, débat calme, bien sûr. Et ensuite, faire un retour de débat tout seul. Ouais, Chandra, abuse pas non plus. Non, t'as supprimé tous les messages de Rennes, là. T'es un gamin. Ouais, en vocal. Eh ben, attendez, vous savez quoi? Je vais vous montrer tout de suite. Si vous voulez join maintenant. Ok? Là. Là, j'ai commencé à créer un Discord. Rien, c'est bon, t'es plus ban. Parce que l'autre, il abuse aussi. Ok, vous savez quoi? Là, je fais ça. Et je vous le mets dans le chat. Hop. Hop là. Là, vous allez sur le Discord. Et il y aura salle de stream et il y aura des trucs trop cool que je vais faire. Là, j'ai pas encore. Hein. Là, je vous ai mis le lien. Ah, là, déjà, on voit les premiers arrivés là. Merci les gars. Vous allez voir, j'ai pas encore. J'ai pas encore tout fait. Hein. Je l'ai créé tout à l'heure. Hein. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Et vous verrez qu'on va faire des trucs vocaux et vous serez les premiers à parler. En fait, j'aimerais vous laisser genre 45 minutes en live de libre parole. Mais c'est des idées, parce que Benjamin il a rebondi dessus, mais c'est des idées que j'ai et que j'aimerais mettre en place. Mais c'est pour ça que je vous demande les trucs les plus intéressants pour savoir quoi mettre en place en premier. Parce que si c'est les lives IRL qui vous attirent plus, bah autant taffer là-dessus et faire des lives dans la semaine, live IRL. Si c'est des. Tiens. Tiens. Si c'est des lives. Si c'est des lives plutôt débat que vous préférez, on fait ça. Si c'est des lives où on parle d'histoire, où je donne des cours, il y a ça. Il y a trop d'idées sur la chaîne. En fait, il y en a trop, c'est ça le problème. Et si je me mets à taffer, parce que j'ai taffé la journée pour faire ce diapo-là, aller chercher les idées, aller trouver les liens, les images, le mettre en place, les animations, ça m'a pris la journée, hein, alors que j'ai mes cours quand même. Ouais, bah, comment ça, une commande Twitch? Moi, je vais juste le mettre en dessous du Twitch, le lien. Le lien du serveur. Mais attends, déjà profil. Je me suis même pas mis de. Bon, c'est pas grave. On verra ça ensemble plus tard. Ah oui, ok. Ah ouais, mais ça, je sais pas tout gérer en vrai. Ok. Ouais, merci. Ouais, c'est vrai que. Bah attends, tu sais quoi, je le note. Parce que j'ai un truc où je note mes trucs. Je vais noter ça. Je remets ma tête. En tout cas, merci les gars, encore une fois, de m'avoir. D'être resté. Ça fait plaisir, toujours. D'avoir proposé des idées. Toujours. J'ai plein d'idées, hein. Eh oui, attends. Parce que là, j'ai toutes mes idées, hein. Là, j'ai toutes mes idées. Je vous montre pas ce qui est écrit. Ok, bah, je verrai alors. Je verrai ça. Mais je prends vraiment les lives au sérieux, hein, pour ceux qui pensent que. Enfin, je sais que vous pensez pas que je rigole, mais je prends vraiment les lives au sérieux. Et je veux faire un truc giga propre. Donc, c'est pour ça que je taffe de ouf. En plus, j'ai mes cours à côté. Et vous le savez, hein, la semaine prochaine, dès lundi prochain, vu que je vais passer de lundi à jeudi à Beaugency. Lundi jusqu'à jeudi, il y aura les lives tous les soirs. Il y aura un live tous les soirs. De lundi à jeudi, pendant 2 semaines, il y aura un live tous les soirs. Et après dimanche, je sais pas, est-ce que je vais en faire un. Ou sinon, ce sera un live randonnée. Parce que j'ai mon stage à Beaugency. Donc de lundi à jeudi, vu que je reste chez moi, je vais faire un live tous les soirs. Et après, bah, le week-end, je vais pas être chez moi, donc je ferai pas de live. Mais si vous avez des idées de choses qu'on peut faire en. Ouais, en plus, non, mais confinement, au pire, je t'inquiète pas, je préfère confinement. Merci Ryan d'être passé en tout cas. Hein. De toute façon, on va pas tarder à couper. D'ici 10 minutes, un quart d'heure, on parle encore et après on arrête. Hein. Alors, on va faire un live randonnée, je pense. Le week-end du, si je montre. Ah, mais on va parler ça de ouf les lives. Hein. On va parler ça de fou. Que ce soit les débats. Vous inquiétez pas. Eh hey, les gars, c'est une chaîne sérieuse en vrai. Hein. La vérité. Hein. On peut rigoler et tout, hein. Bien sûr. Parce qu'on est là pour rigoler, passer un bon moment. Hein.
Mais je veux vraiment axer la chaîne sur des trucs scientifiques, tu vois. Parce que moi, c'est ma passion, la géographie, la vérité. Il n'y a pas beaucoup. Enfin, c'est pas un domaine avec qui je parle sérieusement de ça, malheureusement. Donc, les gars, lundi premier. Mais je pense que la plupart qui sont là. Rafik, t'es un boss, hein. La vérité, t'es un boss, hein. Mais je pense que la plupart qui sont là, ils follow déjà. Surtout ceux qui parlent. Mais ceux qui sont dans le chat. Ceux qui regardent, mais sans follow. Ceux qui regardent, mais sans chatter. N'hésitez pas à follow, il a raison. Moi, j'ai pas encore l'habitude de le dire. Lundi 1er jusqu'au jeudi 4, un live tous les soirs. 21h, tous les soirs, il y aura un live. D'une heure comme ça. Parce que j'ai pas envie de vous massacrer, tu vois. Après, moi, je suis pas un. Je cherche pas. Enfin, là, j'en vis pas. Je me fais même pas d'argent. Et. Je vais taffer, hein. La vérité. Hein. Vas-y, à plus. De toute façon, on va pas tarder à couper, je dis. Hein. Y a pas de souci. Hein. Vas-y, ciao, Mathieu. Hein. Merci encore d'être passé. Ça fait plaisir. Moi, j'ai pas mangé encore. Je vais aller manger là. Je me suis pris une pizza au croûte à 1 € là. J'en ai pris deux. Du coup, j'en ai ramené une à la maison. Et voilà. Donc, planning de la semaine prochaine. Où ça, j'ai été où? Ah, y a personne, mec. Y a personne. Ça va au resto du Crous et ça mange des pizzas à 2 € les deux pizzas là, avec deux canettes. J'ai pris un Sprite, donc Irfan il a. Ouais, au RU, les RU ils sont ouverts, mais tu peux prendre qu'à emporter. Et on doit manger dans notre salle de classe. Et j'ai bien mangé, hein. Les pizzas elles sont bonnes, hein. Il y avait pizza 3 fromages aujourd'hui, ils changent tous les jours. Il y a des pâtes bolo, il y a des plats, entrée plat dessert à 1 €. On mange bien, demain je vais bien manger, tu vois. Demain je vais en cours, je vais bien manger. Et je prends le repas pour le midi et le soir, parce que j'ai le droit à 2 repas par jour. Et je prends les deux en même temps. Là j'ai bien mangé, là j'ai bien mangé. Je suis allé finir la pizza que j'ai même pas commencé, tu vois. J'ai commencé. 18 fromages. En tout cas, merci. Là on est sur la fin. On est 16 encore, d'après les stats. Ah oui, eh pardon. Eh. Ça c'est un truc, je viens de le voir. J'ai oublié de vous le dire. Est-ce que à la fin des lives comme ça là, où on parle de Beaugency, on vous fait des cours un petit peu. Est-ce que vous voulez que je vous partage, parce que j'écoute énormément France Culture et je regarde énormement de podcasts, de trucs sur Arte, etc. Ouais, ça fait le mec. Moi, je regarde des trucs. Non, c'est que j'en ai besoin pour mon mémoire et pour mes études en tout cas et pour mon concours. Est-ce que ça vous dit, à la fin, je vous mets un lien pour un podcast intéressant, mais pas trop long, hein, parce que moi, j'écoute pas des trucs de ouf. Genre des podcasts de 5, 10, 30 minutes. Sur un sujet. Sur un sujet qui, par rapport à ce qu'on a parlé, tu vois. Un podcast audio ou un podcast vidéo? André, toi, je sais que oui, parce qu'on en avait parlé hier. Mais j'ai oublié de le dire au début où il y avait les gens. Parce que, genre là, en fait, j'aimerais. Tu vois, sur Discord, les gars, je vais vous mettre un channel où il y aura tous des liens avec des documentaires que j'aurais vus et hyper intéressants. Et des livres même que je lis. Là, je l'ai pas là. Mais des livres scientifiques. Bon, après, les livres scientifiques, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu chiant. Si le sujet t'intéresse pas, tu lis pas. Mais je vais faire un channel sur. Ouais, mais il y aura des podcasts. Mais les gars, j'ai des. Ouais, non, mais en fait, je vais le faire à chaque fin de live. Je vous dis, bon, les gars, voilà les trucs si vous voulez aller regarder ce soir. Vous avez jusqu'à vendredi. Et puis même, on peut en discuter, tu vois. Un débat. Et puis même, j'ai des reportages Arte. Oh, ils sont golden. Mais vraiment en plus. Et Arte, ils sont trop forts. Ils sont trop forts parce que les débats, enfin les reportages qu'ils donnent, ils donnent pas leur point de vue. Ils font juste un reportage, ils parlent pas. Et du coup, c'est toi qui te fais ton propre point de vue. Bah, bref, tout ça, on parlera de ça une autre fois. Là, ça fait déjà 30 minutes qu'on parle ensemble. Mais ouais, je vous ai proposé plein de trucs, plein plein d'idées. En tout cas, ça fait plaisir que ça soit bien reçu. On est 11. Ouais, il y a tout sur YouTube, hein, mais ce sera que des trucs gratuits. Et la plupart du temps, ce sera des liens France Culture et YouTube Arte. Voilà. En tout cas, moi je vais arrêter là, je commence à avoir faim. Parler pendant 1 heure. Merci encore les gars, hein, d'être venus. Hein. Je le répéterai. Ah ouais, je connais pas les podcasts audio. Je vais aller voir. Je connais pas les podcasts audio. Wesh Souli, putain, ça fait plaisir, mec. Le beau gosse, t'arrives à la fin, ma gueule. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a la rediff. Et il y a Reda encore. Eh, mais vous avez les emojis de Kenpachi. Les gars, restez, quittez pas le live maintenant. On va faire un truc sympa. Parce que là, je vais raid Kenpachi. Et
Merci encore, là j'ai faim. J'ai trop faim. On va aller sur. En plus, il faut que je fasse des emotes et des trucs comme ça, mais ça on verra plus tard parce que je suis trop nul là-dedans. Je vais faire hein, des trucs bien cool. Vous inquiétez pas, j'ai grave de taf. Non, non, mais il n'y a pas de soucis, moi je souligne. T'inquiète, il y a les rediffs et. Eh, hey, mes gars, abonne-toi à la chaîne YouTube. Va dans le lien en bas. Regarde, il y a les résumés des lives. Les lives ils durent 1 heure. Et je mets des résumés, je me prends 2 heures de montage, 3 heures pour que vous ayez un résumé de 5 minutes, frère. Donc, n'hésite pas. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. T'inquiète. On veut monter, hein. Et là, les gars, on va faire un truc sympa. On va raid Kenpachi. Allez juste lui dire bonjour. Parce que c'est lui qui m'a redonné envie de refaire des lives. Et de me motiver à fond. Et il mérite. Et ce sera un des premiers streamers qu'on va inviter dans un live randonnée. Voilà, je vous le dis, hein, direct. Il y a Rafik. Et il y a Kenpachi. Ce sera les deux premiers que je vais inviter dans mon live randonnée et qu'on va passer une bonne après-midi ensemble. Vous aurez des questions si vous avez des questions pour lui, un truc comme ça. Donc les gars, là je vous remercie encore d'être venus. Merci, 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 merci. Les questions, les réponses, le chat. Voilà, on se retrouve sur Twitter, on se retrouve sur Insta, on se retrouve sur YouTube. Non, c'est vous les cracks, les gars, c'est grâce à vous que je suis là. Sinon, j'aurais pas passé 30 minutes à parler. La vérité, hein. J'aurais pas passé 30 minutes à parler si vous étiez pas là, hein. J'aurais déjà fini depuis longtemps. Merci les gars, ça fait plaisir. N'oubliez pas, c'est grâce à vous que ça continue. Et là, merci, merci, Ilyes. Je vous balance chez Kenpachi. Hop, un bon raid chez mon pote. Lancer un raid sur une chaîne. Il est où Kenpachi? Il est où Kenpachi? Alors attendez, parce qu'il faut que je le trouve, parce qu'il est pas. Ah voilà. Les gars, allez le voir. Vas-y, c'est parti. Ça va se lancer dans 5 secondes. Je vous remercie encore. Là, ça va s'arrêter. Je vous mets le. Voilà. Merci les gars. À bientôt. Ciao. Bye bye. Bye bye. Quoi? Moi 2 minutes. Thank you. Mon gars Marwan, frérot, merci, merci pour le raid, mon frérot. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que ça s'est bien passé ton live. Merci pour le follow, Moustuflex.